Contexte. L'adversaire reste sur une défaite. Il avait commencé fort avec 2 victoires. Donc, ça va être une opposition de bon niveau. Si on veut valider cette victoire de la semaine dernière qui était belle à la fois dans le contenu et sur le résultat, il faut enchaîner aujourd'hui. Je trouve que cette saison, vous prenez de plus en plus d'initiatives qui sont positives. Et il y a plus de repères qui sont ancrés. Et ça, c'est quelque chose de positif. Comme d'habitude, si on est connecté aujourd'hui, si on est connecté dans l'attitude, on aura le résultat comme la semaine dernière. Sans attitude, il n'y a pas de résultat possible. On se le met dans la tête, qu'on soit remplaçant ou qu'on soit titulaire. D'accord? Prêt à tout donner pour amener le résultat qu'on souhaite. Ça marche les gars? Faites-vous plaisir. Bon match. Allez gars, il est pile à 15, on sort. Vous avez 15 numéros? Il la route. Donc les premières minutes, ça va fuser. Ça va prévoir aussi. Les gars, le match, il vous appartient maintenant. Les gars, venons, on continue, on fait dans la continuité des choses. On fait pour moi la meilleure mi-temps de notre saison, je vous le dis. Le souci quand on fait ce genre de prestation, c'est de se laisser griser. C'est-à-dire quoi griser? Se laisser aller. On redouble de concentration parce que si on veut dupliquer la deuxième mi-temps à ce niveau-là, ça va demander beaucoup d'exigence, d'humilité et de précision dans tous les petits détails comme on l'a fait en première mi-temps. Parce que pour ressortir les ballons comme on l'a fait en première, ça a demandé de la part de chacun beaucoup d'exigence. Donc là, il faut remettre ça, pas se laisser griser. Tous les efforts qui font mal à la tête, les 3-4 mètres là, il faut être capable de les faire. C'est les marquages à l'intérieur. Quand on voit qu'il y a un joueur côté ballon, il faut aller marquer. Trop tard des fois, d'accord? Et sur la deuxième mi-temps, on va être un peu émoussé, donc il faut ici que ça connecte tout. Des matchs affilés, on est en train de le monter. Aujourd'hui, on ne peut plus redescendre. Quand on s'habitue à une intensité comme ça, on ne peut plus redescendre. Avec un niveau comme ça, on doit enchaîner les matchs. Il va y avoir des suspendus, il va y avoir des blessés, mais le modèle de jeu, il reste le même. D'accord? Bravo pour l'ambition aujourd'hui. On ne ramène qu'un point, on doit ramener plus. Mais franchement, on va revenir.